tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais trop trop bien, je suis trop contente. Genre trop, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ben, j'ai mon permis de conduire, franchement, je suis trop contente. Et du premier coup en plus, franchement, je suis trop heureuse. Bref, voilà, voilà, je suis contente. Donc, j'espère que vous allez bien. Sachez que Magic Luna, ben, il est toujours là. Et l'extension, il est en précommande et tout, et tout, et tout, et tout. On s'en fout de ça. Allez, on va regarder plutôt le message du jour. N'attendez surtout personne. Peu importe, peu importe. Voilà. Ok, alors je prends le jeu Graines d'amour. La nouvelle aventure. Le voyage. Le nouveau départ. Ok. Ok, ok. On parle d'un nouveau chemin, quoi. On peut parler également d'une nouvelle relation. Ou si c'est pas le cas, le fait de plus penser au passé, en fait. Tu vois, de pas se prendre la tête avec les choses qui sont déjà passées, tu vois. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. De plus penser aux anciennes histoires, aux ex, de plus penser par exemple aux problèmes du passé, tu vois, c'est fini quoi. On a la carte de la patience. La patience est une vertu. On te dit de prendre le temps, d'être calme, de nos stress, voilà, nos stress, on se prend pas la tête. On parle d'un jugement, reprendre sa liberté. Il y a quand même cette carte, c'est la carte du divorce. Bon, carte du divorce, en grosso modo, c'est le fait de s'éloigner, d'arrêter des choses. Bon, certainement qui ne nous conviennent plus, hein, ou qui ne marchent plus surtout. On parle de coupure, tu vois, mais on te dit quand même que tu reprends ta liberté. On te parle qu'il y a quelque chose qui a été jugé ou qui va être jugé, un jugement. Mais on te dit que, en fait, pour l'instant, le message, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses, certainement, dans vos vies qui sont en train de changer, qui sont en train de s'arrêter, qui sont en train de... Ouais, voilà. Et c'est pour ça, en fait, qu'on te parle de nouvelles relations ou d'un nouveau redémarrage dans ta vie, si t'as quelqu'un, d'un nouveau départ. Et moi, je te l'ai dit en plus des cartes que... de plus penser aux problèmes du passé, donc c'est passé, donc c'est passé. Donc voilà. On voit que tu as fait preuve de patience, donc c'est bien. On a l'inattendu, soudainement. On peut avoir également un coup de cœur. Mais ce qu'on peut te dire, que même si l'inconnu peut faire peur, parce qu'on ne connaît pas ce qui nous attend, ou une nouvelle expérience par exemple... J'allais dire quelque chose. Ouais, on te parle vraiment d'un nouveau départ. C'est deux fois. Il y a vraiment quelque chose ici qui est nouveau. Mais pour moi ici, c'est vrai que, bon, c'est pas écrit dans les cartes, mais je voulais le dire, je l'avais entendu, que ça va te plaire. En fait, il y a quelque chose qui s'arrête, mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui arrive vers toi. On voit que même si tu avais eu des problèmes ou que tu as des petits soucis ou peu importe, on te dit que tu as les solutions, quoi. Mais en fait, on te parle d'un redémarrage assez rapidement suite à un changement de situation, tu vois. Et suite à ce changement de situation, ben, forcément, il y a quelque chose d'autre à la clé. Il y a quelque chose d'autre qui vient vers toi, genre de nouveau, tu vois. Un nouvel élan, en fait. Une nouvelle vie, en quelque sorte. Bon, pas forcément toute une nouvelle vie globalement, mais il y a des choses quand même qui vont te paraître nouveaux, tu vois. Il y a des choses qui ont été là et qui vont plus être là, et tu vas les remplacer par d'autres choses, par d'autres habitudes, par d'autres fréquentations, bref, par d'autres choses en fait. Ok. On a quand même eu la carte du burn-out, de la dépression, se faire aider, la thérapie. En fait, tant qu'on n'accepte pas tout ce que je viens de vous dire, ou tant qu'on ne l'a pas accepté, ben, on n'était pas forcément bien. On pouvait être un peu inquiet.
ben, justement sur l'inconnu en fait, de ce qui va se passer. Mais si je peux vous rassurer, si je peux me permettre de vous rassurer, c'est que ok, il y a plein de choses qui ne vont plus être là, qui sont plus là peut-être. Ça peut-être même ça crée des difficultés en vous, peut-être même de la peur pour une personne. Mais sachez que plus vous allez rester dans le doute, dans votre tête là, vous dire des mauvais films, des mauvais trucs dans votre cerveau, plus vous allez faire grandir cette peur, voire même dans certains cas une souffrance en fait. Alors vaut mieux y aller, vaut mieux avancer, vaut mieux accepter que trop réfléchir en fait dans ce. Bon, il faut, oui, il faut. Bélier qui parle. Oui, il faut réfléchir, oui, il faut anticiper. Mais quand tu auras anticipé et réfléchi, à ce moment-là, avance en fait. Perds pas de temps à attendre, surtout. Perds pas de temps à te poser 50 000 questions négatives. Et si c'est comme ça, et si c'est ça, et si ça. Non, en fait. Pense positivement et fais tout en fait pour que ça se passe bien. Tu vois, t'anticipes et tu gères. Voilà, si tu réfléchis de comment ça va se passer, eh bien ça peut se passer bien. Bien sûr, pas forcément que ça va se passer bien, mais en tout cas, si, voilà, essaye en fait de tout faire, même si ça te parle pas, peu importe, de tout faire pour pas que toi ça te crée un manque, une souffrance, du mal en fait. Tu vois, même si ce message aujourd'hui te parle pas, peu importe, voilà. C'est vraiment, c'est que ça peut quand même aider, tu vois. Sais pas si vous avez capté ce que j'ai voulu vous dire. Bon, c'est vrai qu'il y a marqué un déménagement. La carte, c'est le déménagement. Ok. Moi, j'aime bien lire entre les lignes. Alors, si par contre, c'est vraiment ce qu'il y a écrit sur la carte, genre un déménagement. C'est plus chiant que je le pense, concrètement. Parce que si je suis juste cartomancienne et que je m'écoute pas et que j'écoute pas ce que je ressens et je lis pas entre les lignes, ça voudrait nous dire que. Bon, il faut quand même rester pas pessimiste et suivre mes conseils quand même. Hein. Ah, il y a une carte qui est tombée, donc on va la prendre. Ça voudrait dire juste carte sur table, si on lit en voilà, noir et blanc, ben, il y en a qui se séparent, il y en a qui sont en plein divorce. Il y en a qui sont en train de quitter des gens ou voilà, il y a une fin de relation. Et d'ailleurs, ben, peut-être qu'il y en a qui vivaient ensemble. Si je lis pas entre les lignes. Hein. Et peut-être qu'on vivait dans la même maison. On doit changer de maison. C'est pas facile. Ça nous fatigue. Ce divorce, ces séparations. Qui va garder les meubles, qui va garder la maison, qui va vendre, machin, si tu dois vendre, changer le nom, pas le nom, tout ça, tout ça. Voilà, on voit que si c'est comme ça, si on lit comme ça les cartes, on te dit ben, que ça va être long en plus, que va falloir faire preuve de patience parce que c'est un long divorce ou un long divorce ou alors ouais, c'est fatigant, c'est long, c'est pas rapide. Et en plus, si on lit pas entre les lignes et que je vous fais vraiment en tant que cartomancienne, eh ben, on nous dit en fait que. On va pas être trop bien en fait. On va pas être trop bien. Plus ça va être long. Et en plus, ouais, ce que je voulais dire que je n'ai pas dit encore et que j'avais failli oublier, c'est que la personne en face de nous, ou peut-être c'est vous, je sais pas c'est qui, eh ben, va faire galérer l'autre en fait. Hein. Que ça soit pour partir, pour déménager, pour le lieu de vie, pour les papiers, pour le divorce. Si je parle que en tant qu'cartomancienne et que j'écoute pas mon intuition, j'aurais eu que ça, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Mais bon, il faut quand même que je le dise. On a la carte des secrets. Il y a des choses qui. Des documents confidentiels. Des démarches confidentielles. Officielles, peut-être même. On parle qu'il y a quand même un peu du mystère. Dans cette histoire des cachotteries. Alors ici, dans cette combinaison, pour moi, on me dit au niveau de la personne qui va changer sa vie, qui va plus penser au passé, qui va prendre son nouveau chemin, son nouveau départ et tout, ça c'est inattendu pour elle ou pour lui. Et peut-être même il y a un coup de cœur, un nouveau coup de cœur, ou il y a un coup de cœur tout simplement, et on nous dit que ben, ça, on va pas trop en parler en fait, aux gens en fait.
on va un peu garder ça pour nous, en fait. C'est ça qu'on nous dit concrètement. Ok. On a la carte du passé. On a des souvenirs. On a un ex-partenaire, forcément. Oui, j'ai bien capté qu'il y avait un ex, hein, forcément, si tu quittes. Voilà. Alors, on peut être qu'il y a certaines personnes qui vivaient avec un ex, hein, dans la même maison. De toute manière, c'est bien parce que, ok, c'est pas facile de changer de vie, c'est pas facile de tourner les pages et tout, mais on te dit que c'est pas plus mal ici, franchement. On te dit que c'est mieux, en fait. Si t'es dans cette situation, mais je t'influence pas, bien sûr. Hein. Bon, pas, j'ai pas le droit, c'est pas bien. Mais n'attends pas. Non, pourquoi je t'ai dit que c'est pas plus mal, en fait, cette situation? De toute façon, là où on est, on devait l'être, tu vois. Même si c'est pas des situations confortables, ça nous apprend des choses de la vie, ça nous grandit, ça nous donne des leçons. Voilà, ça nous apporte quelque chose. Peut-être pour, sur le moment, ça nous apporte des emmerdes et pas de bonnes énergies sur le moment. Mais après, oui, tu vois. Mais de toute manière, moi, je te dis, si ça te parle, oui, oui, si ça te parle, oui, j'assume, c'est bien pour toi. Tu quittes une situation, franchement, de toute manière. Bon, pour le moment, on me parle pas d'infidélité. Bon, ça me regarde pas, on me le montre pas. Donc, des fois, quand je dis, je peux pas tout voir, je peux pas tout savoir, et je pas la science infuse. De plus, moi, je me dis quoi? Parce que j'y crois dur comme fer à la cartomancie. Bah, bref, vous le savez. Moi, je me dis, pour l'instant, avec ma petite expérience, que s'il y a quelque chose qui sort pas, déjà, moi, j'ai pas à le savoir. Et peut-être que je dois pas le dire. Pour X ou telle raison, en fait. Oui, certes, je peux pas tout savoir. C'est pas possible. C'est pas facile aussi, j'allais le dire. C'est pas facile. Mais peut-être pour pas vous faire bloquer sur ça, en fait. Sur des trucs qu'on me montre pas. Peut-être même négatifs, voire même positifs. Voilà, peut-être que c'est pas le plus important, en fait. Surtout si ça fait partie du passé. Pourquoi forcément, voilà. Après, des fois, peut-être que oui. Des fois, si ça sort, c'est qu'on a besoin de l'entendre. Pour X raison, mais voilà, je vous ai dit un petit peu. Alors, pourquoi moi je vous dis c'est pas plus mal cette situation? Ben, parce que c'était une histoire. Apparemment, on me demande pas forcément d'infidélité, mais peut-être qu'il y avait, hein, mais voilà. Mais moi, on me demande que ben, on était plus colocataire, on était plus. On se sentait seul alors qu'on était ensemble, on se confiait plus, on n'était plus forcément bien en fait. Hein. Et il y a aussi un point clé ici, c'est qu'avec cette personne, on avait l'impression d'être prisonnier ou prisonnière, en fait. Hein. De plus être nous-mêmes aussi, en quelque sorte. Donc, voilà. Après, il faut pas jeter la pierre à lui ou à elle. Hein, voilà. On a quoi? On a pour vous un équilibre, une justesse qui revient, le confort. Hein. Vous êtes une personne qui paraît stable. Vous avez vos humeurs, vous aussi. Un jour ça va, un jour voilà. Un peu comme tout le monde. Bon, il y en a qui sont tout le temps bien, mais bon. Ou tout le temps triste. On vous dit que vous pouvez piquer parfois. Piquer, ça me fait penser au scorpion. On voit que vous avez une certaine sensibilité. Vous paraissez quand même, au fond de vous, assez solaire. D'accord ? On voit que vous pouvez vous tracasser un peu parfois l'esprit. On voit ici également que vous êtes une personne qui veut avancer, qui veut évoluer déjà. On vous dit que vous êtes heureuse ou que vous pouvez l'être ou votre cœur en tout cas est bon pour moi. On voit ici que vous êtes une personne qui aimait vous transformer, qui aimait renaître, qui aime être vraiment. Vous êtes une personne ici qui a beaucoup d'ambition. Pour moi, hein, j'ai à travers cette carte, c'est tout ce qu'on me dit. Ah ouais. On parle vraiment de renaissance, de renaissance, de transformation. On parle pas, bon, de mort. Bon, la carte mince, on dit la mort et tout. La fin du cycle, voilà. La transformation, oui, oui, c'est le cas ici, c'est sûr. Mais là, on te dit direct, on parle pas de fin. Bon, oui, on parlait de fin. Mais on te parle qu'en fait, ok,
tu as tranché, où il y avait quelque chose qui s'est tranché, quelque chose qui paraît brutal. Mais on te dit que ça devait se passer comme ça un jour ou l'autre. Et je pense que tu le savais au fond de toi. Pour moi, tu as certaines croyances, tu as de la foi. On voit qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend de nouveau encore une fois. Il y a des choses actuellement qui sont en train de grandir, peut-être des projets, peut-être une nouvelle relation, quelque chose pour toi. On voit que tu es en train déjà de le faire, d'y penser, de le mettre en place. On voit que tu peux être une personne assez cash. Tu as quand même une forme de sensibilité, être un peu maternelle également. Une part de féminité, même si tu es un homme. Bon, si tu es une femme, ok. Bon, après, il y en a qui sont pas toutes, on n'est pas toutes féminines. Mais voilà. On voit que tu es attentive à la nouveauté. Tu es attentive, t'attends, tu observes, tu regardes. Et au fond de toi, tu y crois quand même. Peut-être qu'il y en a qui y croient pas, mais moi, on me dit que. Il y a des gens qui y croient, en tout cas qui espèrent, qui ont la foi que ça va être mieux, que ça va être beau. Pour votre avenir en tout cas. Donc bon. On voit ici la justice pour vous, enfin. La justice divine qui arrive. On voit que le karma peut avoir été frappé. Voilà. Vous allez récolter ce que vous avez semé, en bien ou en mal. Et moi, je vois que vous allez récolter du bien ici. On voit qu'il y a un juste milieu, un équilibre entre le bien et le mal. On voit que les choses se remettent à leur place. Pour moi, vous avez des ancêtres. Bon, tout le monde a des ancêtres, mais il y a quelque chose de particulier avec vos ancêtres. Il y a quelque chose, par contre, au niveau vraiment de démarches administratives, des trucs officiels qui ressortent ici. On parle qu'il y a une personne qui a souvent les solutions, qui a souvent réponse à tout, ou alors qui arrive à se démerder, pour être vulgaire, qui arrive à se sortir de certaines situations, qui sait réfléchir, tu vois, qui est de bons conseils également, je dirais ça. On voit par contre que vous avez patienté, c'est sorti, mais vous avez beaucoup patienté, vous êtes quelqu'un qui patiente beaucoup, c'est rare. Les gens patients, mais ça se travaille avec le temps. On voit que voilà, vous êtes patient ou vous allez l'être. Et à un moment donné, vous allez décider, vous avez décidé que il faut faire la justice, il faut l'équilibre en fait. Hein. Donc voilà, pour l'instant, j'ai que le scorpion qui m'a. Bon, j'ai la balance également. J'ai la balance, le scorpion. Continue avec le tarot. On voit que vous allez aller vers vos désirs. Par contre, on va nous parler. Quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui voit clair. C'est vrai qu'on parle quand même un peu de. Il y a un truc qui me plaît pas. C'est pas forcément de la manipulation, mais il y a quelqu'un ici qui veut trop faire. Je sais pas si c'est vous, si c'est une personne autour de vous, mais qui veut trop faire la justice lui-même ou elle-même. Qui veut faire sa propre loi, sa propre justice. Mais il y a des lois, il y a la justice divine, il y a des lois également. Mais je vois pas que c'est forcément dramatique. Mais faire attention à ça quand même. Faut pas aller trop trop loin. Mais il y a quelqu'un ici un peu justicier dans l'âme, quoi. Justicier dans l'âme, je dirais. On a des signes d'eau encore, donc scorpion, poisson et cancer. On fait un gros ménage là. Franchement, on fait un gros ménage. Il y a vraiment quelque chose qui va trancher ici. Franchement, on nous le dit. Un gros ménage. Un gros détachement également. Un gros détachement.
On voit que vous avez pris le temps. Et j'ai encore Balance et Gémeaux et Verseau. Donc voilà. On voit quelqu'un qui a pas mal de connaissances. On n'a pas affaire à des bibettes. Ok. Bon. Oh, on va prendre l'oracle de ma maman, le normand. Et on va voir ce que ça nous dit. Ah oui, faut que je vous dise quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit c'est quoi ce bruit chez toutes les cartomanciennes. Ben là, en ce moment, c'est mon petit ventilateur que j'ai gentiment offert à ma maman. Vous savez? Il est joli. Je crois que je l'ai acheté à Aima ou quelque chose comme ça. Attendez, on regarde. On voit ici qu'on va pouvoir négocier quelque chose. On voit des choses qui arrivent qui sont justes, qui sont loyales, qui sont légales même. Au niveau d'un petit conflit, d'un désaccord. Mais on voit que oui, l'arrivée est proche, l'arrivée d'une fin, l'arrivée d'un arrêt. On nous dit ça. Un arrêt qu'on pourrait penser au début conflictuel. Mais moi, j'ai une séparation qui me dit définitive, hein, vraiment. Il n'y a pas de retour en arrière ici. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais franchement, je sais qu'il y en a qui attendent leur ex. Après, il y en a qui, oui, ça marche. Il y en a que ça ne marche pas. Il y en a qui reviennent. Mais même si cette personne revient, franchement, ça ne marchera pas. Enfin, après, il ne faut pas que j'influence. Mais bon, même pour votre morale, ça va être mieux en fait. Ça va être beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Votre intuition va revenir également parce que ça va vous boucher vos neurones. Votre intuition. J'ai un équilibre financier qui revient. Peut-être qu'il y a eu un petit litige, des litiges financiers. Peut-être avec des clients ou avec vos dépenses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient comme ça. On voit une stabilité sur vos émotions, sur votre mental, sur votre joie de vivre. On voit que ça va énerver quand même quelqu'un sur le plan émotionnel, quelque chose qui s'arrête, où on doit faire le deuil en fait, hein. Où on doit faire le deuil tout simplement. Regarde, un nouvel amour, alors soit un nouvel amour, on a un choix par contre pour ce nouvel amour, ou alors quelque chose que vous allez aimer, qui va naître, qui va arriver, qui est en pleine gestation. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, en tout cas vous allez aimer. Et en plus on vous dit que vous êtes une femme de cœur. Eh, ça, je l'avais bien vu. T'as bien le tirage d'aujourd'hui? T'as plaît, hein? Ah bah oui, t'es une cartomancienne dans l'âme, toi. Je l'ai pas vue sur Insta. Elle tire les cartes. Même, des fois, elle me tire mes cartes et elle voit juste. Bien sûr, elle voit tout. Madame Irma, princesse. On va prendre l'oracle G. Tu aimes bien celui-là, toi? Moi. Faut pas que je la regarde trop dans les yeux, sinon elle va vouloir me faire des bisous. Dès que j'ai tendance à trop la regarder dans les yeux, c'est mort. Là, elle m'a remis. Alors, miroir, ça fait longtemps, je l'ai pas forcément pris. On a quelque chose de chanceux pour vous. Voyez, c'est une chance pour vous. Une chance, déjà vous avez une chance, une opportunité si vous le voulez bien sûr, d'évoluer, de progresser, d'avancer, de réussir même. Vous pouvez, si vous voulez réussir, vous pouvez. Il faut le vouloir et mettre les causes, c'est tout. Mais vous avez les compétences, il y a quelqu'un qui regrette une trahison. Ah, faire comme ça fait longtemps. Alors, au niveau de la santé, comment ça se passe? Bon, on voit qu'au niveau de la santé, vous allez certainement aller prendre un rendez-vous. Vous allez rendez-vous avec un spécialiste, un docteur.
Mais on voit ici que normalement votre santé ça peut aller. Mais on vous conseille de vous promener, de respirer le bon air en fait. Alors qu'est-ce qui est actuellement en gestation, en cours? D'accord. Peut-être des choses liées au logement ou liées tout simplement à la famille, voire même à la construction. Alors on a des réunions, peut-être des commissions, des choses qu'on a demandées. Alors, si vous avez demandé, peut-être qu'il y a certains qui ont demandé des choses, peut-être qu'il y a des réunions, peut-être qui ont déjà échoué, des réunions échouées, des commissions pour une demande particulière qui a échoué, on vous dit que vous pouvez redemander, vous pouvez contester. Voilà. Alors, on a la loi. On a la loi et on a un blocage avec de la jalousie, des mensonges au niveau de procédure. Même au niveau de. Pas forcément de procédure, mais oui, possible. Mais en tout cas, au niveau de la justice. Alors, on va nous parler de communication, de lettres, de courrier, de téléphone, tout ça, tout ça. On va vous appeler ou alors il y aura une communication, une réponse liée à l'argent, liée aux finances. Ou alors, ça peut être une grande nouvelle, très abondante. Grande nouvelle. Alors, on a la carte de la sexualité. La sexualité, c'est la sexualité. Mais ça peut être la passion et le désir. Bon, c'est pas trop ça. Niveau sexuel, soit. C'est pas trop ça. Pour certains et certaines. Soit vous n'avez pas été trop comblé depuis un moment sur vos désirs, vos envies. Peut-être une frustration charnelle aussi, des fois. Frustration. Et peut-être également dans un certain cas qui manquerait un peu de passion. Voilà. Alors, on voit ici des choix, des décisions, des chemins qui vont vous amener loin. On voit ici que vous allez prendre une décision, un choix, un nouveau chemin. Vous allez avancer comme tout le temps. Mais sachez que ça va être long. Genre, c'est un chemin qui va te mener loin. En tout cas, la route a l'air loin. Alors, on a un homme de cœur qui va ouvrir une porte, qui va régler quelque chose, qui va être positif. Lui va être positif. Il va ouvrir une porte pour la famille, pour un logement, pour la construction. Alors, il y a quelque chose qui est inévitable, c'est la naissance. Quelque chose qui va naître, quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui va arriver, quelque chose, voilà, qui sera là et on te dit que ben, c'est inévitable. Alors, on va nous parler d'enfants. Alors, ici, ça peut être un amour de jeunesse. Ça peut être aimer quelqu'un qui est un peu plus jeune que nous, ou vous êtes un peu plus jeune. Bref, il y a peut-être une différence d'âge. Ça peut être un amour innocent, un amour. On a l'impression que c'est un coup de foudre, on a l'impression que c'est le premier amour, tout ça. Donc, voilà. Ou alors, il y a un enfant ben, qu'on aime de tout notre cœur aussi. La famille. On peut parler qu'il y a des gens qui ont une famille à l'étranger, soit par les origines, soit par la localité. Alors, on nous parle de séparation qui va passer en examen, qui va être réfléchie, mais on nous parle que oui, il y a quelque chose qui paraît d'officiel et quelque chose en fait, voilà, tout simplement, qui, en tout cas, on voit quelque chose qui va marcher, qui va réussir. Alors, on nous parle du boomerang. Le boomerang, c'est le retour. C'est également le karma, récolter ce qu'on a semé. Et on voit un retour lié à la famille et un retour financier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir au niveau d'un héritage, d'une légation. Et un retour également très abondant. Peut-être même un retour lié à l'argent. Alors, une personne a des regrets. Il y a une personne qui ne va pas aimer, qui va. En fait, il va y avoir une annonce, un verdict, un truc qui va tomber. Qui va être dit haut et fort, et en fait, soit la personne qui va entendre ça va regretter à cause de ce qui va se passer. Cette personne va se remettre en question et va culpabiliser et va pas être bien. Mais c'est possible également que cette personne va pas aimer la décision, va pas aimer le jugement, quand même. Tu vois, cette personne va pas être bien, va regretter, va beaucoup penser, va cogiter. Mais cette personne aurait préféré que ça se passe autrement. Ok. On nous parle de tranquillité, d'apaisement, de bonnes énergies, quelque chose de sain, quelque chose de positif concernant des contrats officiels, des engagements, tout ça, des trucs, des papiers. Et tout.
Alors, on nous parle d'instabilité. Alors, on voit ici quelqu'un qui est heureux de base, qui peut être heureux, qui peut être joyeux, qui peut être bien. Mais c'est pas tous les jours comme ça. Pas un jour oui, un jour non. Au niveau du moral, ouais. Alors, on a des rêves et on va en parler. Alors, faites attention. Petit conseil, vous avez des rêves comme tout le monde, mais attention à qui vous les racontez parce que il y a des gens pas très gentils qui ont l'air gentils, mais en fait, c'est pas ça. Alors, conseil, oui, vous pouvez parler de vos projets, mais quand ils sont réalisés, conseil, c'est mieux. Au moins, ils vous disent pas, ils vous font pas douter déjà. Vous n'avez pas de pression du résultat. Après, oui, si ça marche, dites, hein. Donc voilà. Ah ben voilà, vous voyez, on voit un conflit ou un désaccord qui crée de l'enfermement et qui crée des blocages. On voit qu'on a des connaissances amicales ou des connaissances, voilà, qui ont des bons ressentis. Ou alors vous avez déjà un ressenti sur quelqu'un, vous avez eu un flash. On a un compromis sur des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et en fait, on va se mettre d'accord pour comprendre justement. On parle de bonnes énergies au niveau du travail, même au niveau de votre propre développement. On voit ici un cadeau qui arrive, mais c'est un cadeau qui va vous protéger, qui va vous permettre de vous protéger. On voit un changement qui arrive et on voit que c'est bien pour vous, vous êtes triomphant, vous avez la victoire. Et on voit qu'avec le temps, pour une femme, vous avez été patiente, vous avez pris le temps. Peut-être lié même à une trahison ou en tout cas quelque chose qu'on vous a fait qui vous a vraiment ben, fortement déplu. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à demain.